Bonjour à toutes et à tous, ici Black Donut. Et on se retrouve pour l'épisode, je sais plus quel épisode, de Dishonored. C'est jeudi matin, il est 9h, enfin 9h57 en fait, il fait moche dehors. Mais c'est pas grave, même s'il fait moche dehors, il fera beau dans nos cœurs. Oh yeah, bitch. C'est toujours bien de ponctuer ces phrases par bitch, ça rend les choses plus épiques. Et je me rends compte que j'ai jamais écouté cette musique jusqu'au bout. Oh. Faudrait que je me chope la BO quand même. Bref, on continue. Caldwin's Bridge. Alors, où en étions-nous? Ah oui. On vous a demandé d'enlever Anton Sokolov, médecin royal et directeur de l'Académie de philosophie naturelle. Vos nouveaux alliés veulent obtenir de Sokolov le nom de la tête. Ok. I'm coming for you, Sokolov. Sokolov. Attends. Alors. Ok. Oh. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah. Ça, c'est encore une partouze qui a mal fini, ça, hein. Ah, c'est jeune. Je vous jure. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Oh, que dalle. Absolument que dalle. Mon petit cœur, indique-moi la route. Qu'est-ce que ça raconte? Douglas! Que voyez-vous dans les étoiles? Intéressant. C'est profond ce que vous dites. Hop. Quel beau lever ou coucher de soleil. Je crois que c'est un coucher de soleil. Oh. Il y a des choses à voir par là-bas. Alors. Hop. Oups. Hop. Alors, il y a une ruine quelque part ici, dans un charme d'os. Ah oh, bah tu es juste là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me propose celui-là? Vous gagnez un peu plus d'adrénaline quand vous tuez des rats. Oh, c'est sympa. C'est sympa ça aussi. Oh, je m'en équiperai plus tard. Ah, c'est bien. Et c'est le moment du saut de la foi. Wouh! Tu tires une de ces gueules, Grayson. T'es encore à ruminer cette histoire? Ça, non, chef, sûrement pas. Je me demandais juste. Et si Sokolov se demande. Alors. Enfin, on va essayer d'agir comme une ombre. Comme Sam Fisher. Sam le pêcheur. Alors. Oh, oh non, c'est bon, ils sont dehors. Comme cette femme l'autre jour. C'était un beau brin de fille, gentil en plus. Alors, en fait, ça servait absolument à rien de faire ça. J'adore faire des choses qui ne servent à rien. Ça me rappelle que je ne suis finalement qu'un homme. On m'a rappelé? Et ça me rappelle que je suis finalement qu'un homme, et non pas la divinité que tout le monde prétend. Je sais, je sais. Alors. Deux ennemis. Ah, c'est facile. Ah, mince. Ok, mais essayer d'étudier la situation avant de faire le con. Avant de rusher comme une fois. Rune, ok. Il y a une rune par ici. On ira voir ça plus tard. Alors. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit? J'en ai jamais douté. Et hop là! C'est trop facile avec mes pouvoirs. Ah ouh. J'ai l'armée profond à chaque fois.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, bonjour messieurs. Ok, il y a du monde. C'est pas une maison ça, c'est un entrepôt. J'ai trop... De tous les gardes qui sont présents, c'est la servante que j'assomme, tu sais. Oh. Restez ici. Sur la table. Il ne vous arrivera rien. Un Douglas. Oups. Oh merde. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Ok. Ça. Oh non. Ah. Vous ne mourrez pas maintenant. Oh shit. Wouh. J'esquive les balles. Oh shit. Oh shit! Ça s'annonce très très mauvais pour moi! Vous me voyez? Vous me voyez plus? Quand je vous aurai donné votre cœur au chien, il me faut plus d'hommes! Ah! Aïe! Ah, t'es là! Fils de schnaff! Putain, vraiment un fils de personne! T'as raison, je vais pas te tuer! Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça m'empêche d'utiliser mes pouvoirs, pas mal. Pas mal, vous commencez à être vraiment efficace, bande de cons. Bon. Du coup, ce qu'on va faire... shit. Ah. Quelque chose me dit que ça s'est pas trop mal passé. Samuel. On y retourne. Allez, on rentre dans une piste, ça c'est pas possible. Retrouvez-moi ici quand ça sera fait. Mais je veux rentrer, Samuel, je veux rentrer, j'en ai marre. Hier. Je ne sais pas ce qui l'a provoqué, mais j'étais assis dans mon bateau sur la rivière, à l'aube. C'est vrai que vous dormez vraiment dans votre bateau. Et Lord Régent était avec moi dans le bateau. Il me regardait. Personne ne parlait. Je ne savais pas quoi dire. Il me fixait. Je suis réveillé avec la chair de poule. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En fait, je vous avoue, c'est moi qui vous regarde dormir la nuit. C'est peut-être pour ça que vous avez cette sensation d'être observé. Vous me croyez pas, hein. Je vois votre regard que vous me croyez pas. Regardez, mon recticule fait exactement la taille de votre œil. C'est magnifique. Samuel. Bref, j'y retourne. On se parle plus tard, ok, hein. Vous me parlerez de vos rêves plus tard, c'était très intéressant. Et... Yes. Oh. Alors, non, on va réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose. Bande d'aveugles. Bon, ça m'arrange. Hein. Évidemment, évidemment, évidemment. Bref. Allez, on va recommencer. C'est un putain de loft qui se paye quand même, Sokolov, hein. Bordel. Regardez partout. Mais je suis plus là, c'est fini. Toi, j'ai bien compris ce que tu faisais, toi. Désolé. Nous savons que vous êtes là. Mort, il s'est enfui. Ah, mais bien sûr, je me suis enfui. Alors. Ok. On verra ça plus tard.
En fait, ouais, d'accord. Il faut que je trouve Sokolov moi-même, quoi. Je sais pas où elle est, où il est. Quelque chose me dit que ça pourrait être par là. Ou pas. Non, mais il faut descendre. Ah, je sais pas, en fait. Attention, quelqu'un se cache dans le coin. C'est quoi, ça ? Ah, évidemment ! Vous m'avez vu ? Non, mais pas vu si. Ah, ils m'ont vu ! Ils m'ont vu ! Alors j'étudie rapidement le truc. J'en profite, hein. C'est quoi ça ? Non, c'est vrai ? Je crois que par là c'est pas mal. La cave à vin, de la vin, de la vinasse. J'aime la vinasse. Aïe. Ok. Alors là d'habitude c'est le moment où je tente un truc vraiment dangereux et complètement con. Allez. Oh fais chier. Ah putain. Bon. Non, on va pas tuer tout le monde, c'est pas possible. Ah, t'as tué ton pote. Je suis le pire infiltrateur du monde. Eh oui, infiltrateur. Allez. Allez, allez. Allez, je suis à ça. À ça, vous voyez pas ce que je vous montre, mais je suis à ça de tous les buter, hein, je vous en dis. Bon. Utilisez un peu plus cette... cette technique. Aïe. On passe par là. Voilà. Comme un rat. Comme un soldat. Comme une star de cinéma. Comme un rat, je me cache. Et j'attends. Hop. Ok. Je vais la trouver la clé, vous inquiétez pas. En tout cas, je suis au bon endroit. A priori. Finalement, c'est pas si différent que chez Pierrot, hein. Bon, disons que ça, c'est ma garantie. Oh non, mais j'y crois pas. Pourquoi ils font le même bouton en même temps pour lâcher l'objet et pour ouvrir une porte, quoi. Oh bah du coup... Ah mais vous êtes déjà là. Mais qu'est-ce que je suis mauvais aujourd'hui. Hé. Oh merde. Ouais Sokolov, t'es où bordel. Ah. Ça va. Oh. Reviens là. Reviens là. Reviens là. Non. Non. Bon, allez. On va se détendre deux secondes. Ah, ça va vous calmer deux secondes. Aïe C'est où. Voilà. Reste à terre. Aïe. Bon, bah on dirait qu'on n'arrête pas les fails, hein. En même temps, on n'arrête pas une équipe qui gagne, hein. Alors, restons zen, réfléchissons. Réfléchissons. Déjà, on va éviter d'ouvrir la porte, hein, ça c'était... Ça pourrait déjà être un truc qu'on pourrait éviter, qui serait peut-être pas mal pour réussir. Et ensuite, on va directement passer mais aux choses sérieuses. On, à présent sur la Formule 25. On va l'écouter un petit peu, deux secondes, quand même. D'après le dernier alignement céleste, son potentiel est formidable si je la combine à un traitement thermique qui m'est venu en rêve la nuit dernière. Quant au sujet numéro 312, compte tenu de sa disquamation caractéristique... Exactement, sa disquamation. Elle devrait mourir demain, dans la matinée. C'est tout. Oh, putain. Voilà.
Bordel! Jamais 203. Oh. Eh bonjour. Alors, pouvoir. Vision des ténèbres niveau 2, qu'est-ce que ça donne ça? Permet de voir dans le noir, repérer des êtres vivants à travers les murs et connaître leur champ de vision. La représentation des sons composés visibles, repère aussi les objets utiles et systèmes. Ah, c'est pas mal. Enfin, ça a pas l'air d'être tellement différent du niveau 1, mais. Oui, on va prendre, allez, hop. Alors. Merci. Bonjour. Vous soyez. Je suis Blackdo. Comme un animal. Oui, j'avoue que vous allez pas l'air très bien. C'est insupportable. Oui. Je vais me cacher dans un coin en attendant d'aller mieux. Oui, je pense que c'est une très bonne idée de rester ici. Je viens de vous libérer, bordel! Réfléchis deux secondes, il y a un peu de jugeote! Barrez-vous! Oh! Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, c'est garde. Bon! On va vite se barrer avant que. Avant que voilà. Ici Sokolov. J'ai bien avancé aujourd'hui. Le sujet 312 décline rapidement. Comme prévu, la combinaison des formules 12 et 17 a grandement accéléré la progression de la maladie. J'aime entendre le ronflement de Sokolov près de mon oreille. Me téléporter avec lui, ça c'est la vraie question. A priori oui, très bien. Et ben voilà, encore une mission qui se déroule sans accroc. J'aime quand une mission se déroule sans accroc. Et ben en plus j'ai toutes les runes, j'ai tout ça, mais c'est facile, c'est parfait. C'est vrai que je sens qu'il va se passer quelque chose qui va très vite me faire déchanter. Oh, messieurs dames. C'est le moment de partir. Le médecin royal en personne. Bah oui, allez, on se casse. Allez-y, embarquez-le. T'as pas de chapeau, Samuel. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Foutaise. Oui, ramenons Sokolov. Tu crois qu'on va faire quoi? On va rester ici prendre le thé? Bordel. Alors, ennemi tué toujours 12. Bah c'est mon nombre fétif. Fétif. Mon nombre fétif. Eh oui, exactement, c'est mon nombre fétif, dis donc. Civil tué. Tiens. Je vois plus qui, mais c'est possible, effectivement. C'est peut-être à l'instant, là, quand j'ai libéré les civils. Bon, c'est pas grave. S'ils me comptent parmi mes kills, bon, bref. Dévaliser le coffre de Pratchett, et oui, c'est moi. Il me manque une rune, quand même. Bordel de couilles. Bordel de couilles. En même temps, c'est vrai que j'avais pas mal rushé sur le pont, donc c'est peut-être là où j'ai un peu foiré. Oh, c'est pas grave. Hey, salut, c'est Cartman. Si comme moi, t'aimes bien les donuts, et ben abonne-toi.